Eh bien, bonjour à tous, c'est Chris Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur la chaîne, une aventure sur Space Engineer. On est sur le système Geminus. Et comme vous voyez, on doit choisir où on va apparaître. Et nous, on va apparaître sur la Terre. Oh. On va pas chercher trop compliqué au départ. Alors, pourquoi la Terre dès le départ? Et pourquoi pas l'espace? Parce que j'ai 25 modes d'ennemis sur le jeu. Donc, autrement dit, on va quand même essayer, comment dire, de se faciliter un peu les choses. Alors, je suis en live sur Twitch en même temps, pour ceux qui voudraient me suivre. Ceux qui voudraient suivre les lives en direct, je suis sur Twitch assez fréquemment, en principe à peu près tous les soirs. Pas forcément pour du Space Engineer, mais normalement le Space Engineer, quand il n'y a pas de problème, c'est le vendredi soir. Ok. Ah, il était brutal l'atterrissage. Ok, bon, il n'y a pas moyen de retourner le truc. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se trouver un point pour faire une base. De toute façon, on peut en faire un peu partout. On n'est pas, c'est pas défini. J'aimerais bien trouver quand même un lac pas trop loin, ou de la glace pas trop loin. Alors là-bas, on a de la glace. Sur les montagnes, on a de la glace. Mais bon, je vais peut-être pas aller mettre dans les montagnes. Quoique, ça peut être sympa aussi dans la montagne. Bon, de toute façon, le but va être de construire dans le coin, puisqu'on n'a pas bien le choix, là. La capsule s'est écrasée. La capsule s'est écrasée. Donc, on n'a pas avoir forcément le choix que de rester dans le coin. On allait me dire si on aurait le choix, on pourrait repop ailleurs, mais bon. Parce que là, c'est vrai que du coup, on ne peut rien faire avec la capsule, c'est sympa, mais on va faire comme ça. Je pense qu'on va repop notre perso, parce que là, il est bien gentil le jeu, mais comment tu veux que je fasse quelque chose, moi, avec une capsule à l'envers? Si tu veux, j'ai pas trop le choix, quoi. Ma pauvre capsule à l'envers. La faire voler, je peux rien faire, je peux pas me déplacer. Donc comment dire que c'est un peu compliqué de démarrer le jeu quand tu commences comme ça. Voilà, comme vous voyez, mourir c'est très facile dans Space Engineer. Alors ça c'est un peu la liste de toutes les planètes qu'il y a. Alors celle-là elle est carrée, je sais pas pourquoi. Carré ou tour, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a qui ont des. Comment dire? Des gravités très élevées. Il y a des planètes qui sont très jolies. Hein. Mais il y en a qui ont des gravités très élevées. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. On n'aura pas intérêt de faire n'importe quoi avec. Avec le système de propulsion. Bien, donc on n'atterrit pas du tout au même endroit. Espérons atterrir cette fois dans un coin sympa. Ok, alors là vous voyez ce que vous voyez, mes signaux, tous vos signaux, machin, ça vient d'un mode que j'ai installé. Hein. C'est un mode qui rajoute différents minerais pour avoir plus de minerais sur la map. Ok, cette fois, on n'a pas dans le bon sens. Alors, le but, c'est que je vais m'installer. Moi, je vais essayer de m'installer dans cette montagne, la plus proche de nous. Alors, pourquoi dans la montagne? Ben, tout simplement à cause de ça, par exemple. J'ai des ennemis un peu partout. Alors, on peut les voir hein, facilement. Hop là, c'est ici une tourette, par exemple. Ça, c'est un ennemi. Voilà.
Donc en gros, si tu t'en approches avec le vaisseau, lui, bah, on va dire que tu vas le sentir passer. Alors bon, l'idéal pour moi serait d'emmener mon vaisseau plus près pour pouvoir commencer à travailler dedans. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de glace dans le coin. On va faire mes casques. J'essaie de regarder sans se faire shooter par la toile. Bon, je suis à 5 km, ça devrait être bon. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir de glace. Peut-être là-bas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de glace dans le coin. On fera ça, c'est pas grave, on peut alimenter la base avec avec d'autres choses, ça c'est pas un souci. On alimentera tout ça avec des éoliennes. Alors, donc, normalement, là-dedans, on a une arme et un point GPS. Et on a déjà des ennemis qui pop. Voyez? Donc on va s'amuser, je pense. Il y a moyen que l'on s'amuse. Ça me voulait, c'est ça. Hop là. Il y a. Gestation. Créer un marqueur GPS. Ok. Alors, elle est où, elle? Elle est à 45 km. Par là-bas où il ne faut pas connaître. Tiens. Alors ce qu'on va faire, on va commencer à creuser un peu ici. Lui. Alors le taille de l'inventaire est au maximum. C'est un peu fort là, non? La taille de l'inventaire est au maximum qu'on puisse avoir. Voilà. Et même jusqu'à la pierre, quand même, ça serait pas mal. Après qu'on est quoi avec le casque. Ok, alors. On a déjà quelques pierres. Ah, ça me saoule ce casque qui va voler.
Ok, c'est ça marche. Ok, donc on n'a pas fait grand chose, hein. On va peut-être faire. Ok. On va continuer de miner assez de fer pour faire. On va avoir besoin, autrement dit, de pouvoir creuser dans la montagne. On verra, on va peut-être être obligé de s'enterrer tout de suite, hein, parce que avec 20 modes d'ennemis, ça peut vite faire mal en fait. Ok. Alors, on a quoi? Là, on a du cobalt. Là, on a du fer, du nickel, du cobalt et de l'argent. On a du quoi? Donc, c'est du silicium. Là, on a du silicium et du magnésium. Alors, je sais que dans le silicium, dans ce mode-là, dans le silicium, on arrive à trouver aussi de la glace. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour nous. On a de la chance, mais il est pas venu nous casser les pieds. Hop. Alors j'ai le hors collection. Ça permet de collecter les minerais automatiquement quand on mine. Tant qu'on a de la place dans l'inventaire, ça se met automatiquement dans notre inventaire, ce qui est plutôt sympa. Surtout quand on mine dans l'espace. Ok. Alors, soit on s'enterre directement ici, on fait notre base en dessous, là, sous terre, directement sous terre. Ce qui en fait pourrait être intéressant, sachant qu'on a beaucoup de minerais pas loin. Notamment le silicium là-bas. Soit on creuse dans la montagne. Là. Ça peut être aussi bien. Parce qu'on a du magnésium dans la montagne. Donc, à voir. Là-bas, on a du fer, de l'or et de l'argent. Ça aussi, c'est bien. C'est 1,8 km. Après, ça reste à voir. Comment on peut faire ça? Là, hop, on va continuer à creuser là en bas. De toute façon, on n'a pas le choix.
Ok. Alors, bien, de toute façon, avant toute chose, il va nous falloir une alimentation. Donc, même si on creuse ici, il va falloir qu'on alimente la base. Ça peut être sympa de creuser par ici. Donc, il va nous falloir des plaques d'acier et tout un tas de choses. Alors, plaques d'acier. Il va m'en faire 100. Ah ouais, d'accord. Il va m'en faire 100. Voici. Hop. Si on en aura besoin, des plaques d'acier. On va placer une éolienne et tout ce qu'il faut pour alimenter notre base, même si c'est une base souterraine. Ok, donc lui, il a commencé à bien faire tout ça. Ok. Alors, l'idéal, c'est de la faire dans ce sens-là. Parce que c'est assez plat. L'adage léger. Non, pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Donc là, on va pouvoir descendre jusqu'en bas. Donc ensuite, il faut qu'on fabrique une éolienne. Alors, l'éolienne. Il faut des plaques d'intérieur, moteur, poutre, ordinateur et des composants de construction. Alors pour l'instant, on ne va pas démonter la capsule. Parce qu'on va en avoir besoin, en fait, tout simplement, pour la suite. De l'aventure, on en aura besoin. Est-ce que je la fais plus haut? Bon. Là est la question. Je pense que je vais quand même la surélever encore d'un bloc. Alors ok, ça c'est bon. Il faut 8 moteurs, 20 composants de construction. 8 moteurs et 20 composants de construction. Moteurs. 20 composants de construction. De 24 poutres, 2 ordinateurs et encore 20. Alors, donc, ça c'est bon. Ok. Donc là, on va continuer à descendre tout doucement. Ok, donc on va continuer à descendre. Fuel critical.
que je recharge le carburant en restant en mode, hein, parce que sinon, on sera bien après. Du drilling plateforme, tu poses ma chambre. Ça ressemble tout à fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok. Bah j'espère que tu es beau par ici, toi. Gentil, tu restes. Alors. Là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire une pente douce pour descendre jusqu'en bas. Mais ça va être un peu compliqué, je pense. Déjà, il me faut des plaques d'intérieur pour le faire. Mais l'idée, ce serait de pouvoir descendre en pente douce jusqu'à l'endroit où je vais faire début de base, en fait. Alors. Là, ce que je veux, c'est des plaques d'intérieur. Possible. Donc ça va être beau, ça m'arrange pas forcément. D'accord.
Allez. Allez. On va se miner tout ça tranquille. Je pense que là, on peut placer notre premier escalier. Ça, c'est toujours la plateforme. La drilling plateforme. Alors, tac. De turbo et faire tout ça.
Et pas mal, je pense. Au niveau de la distance à laquelle on a creusé. Mais c'est pas possible, ça sert à rien. Et bon, on le laissera tomber, hein, l'escalier et tout. On va changer sa couleur, mais ok. Les plaques d'acier. Et zut, ouais, je me suis encore fait.
Hop. Ouais, ça attire pas grand monde sur Twitch, le Space Engineer, visiblement. Ouais, c'est pas grave. Alors, ça, c'est fait. Hop là. Et c'est Ok, alors qu'est-ce qu'il me faudrait pour construire une raffinerie de base? Sans plaque d'acier. Alors, le dossier. Moteur, 10 ordinateurs.
On devrait y arriver quand même. Il y aura une rediff du live hein, sur YouTube pour ceux qui voudraient voir le live. Et moi, celle-là. Ok. Alors, tac. Ok, là, j'ai la raffinerie basique. Il me faut aussi un assembleur basique. Assembleur de base. Faut 60 plaques d'acier, 40 construction. Alors. 60 plaques d'acier. 40, 10, 4, 80. Alors. Ça. 10 moteurs, 4 affichages et 20 ordinateurs. 10 moteurs, 4 affichages, 80 ordinateurs. Ok. On va y arriver. Ok, là on a notre assembleur. Notre assembleur basique. De toute façon, on va miner avec la foreuse nanite et ça sera beaucoup plus simple pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour la construire la foreuse nanite? Alors, elle est où, cette foreuse nanite? Qu'est-ce qu'il me faut déjà pour la construire? Est-ce qu'on peut la faire? Alors, il me semble qu'il ne faut pas grand-chose. Ça, c'est les armes. Tac. Elle est où, ma foreuse? Là. Des grands tubes d'acier. Il faut des plaques d'acier et les grands tubes d'acier qu'on peut fabriquer dans l'assembleur. Ok. Alors, donc.
Ah, j'ai pas assez de carburant. J'ai pas assez d'énergie pour alimenter ça. Ok, donc il faut que je refasse une éolienne. Il faut que je refasse une éolienne. Soit, s'il n'y a que ça, c'est pas très grave. Alors l'éolienne, il me faut des... plaques d'intérieur, 40 plaques d'intérieur et 8 moteurs. Faire ça pour remettre des j'ai perdu le nom. Des blocs d'acier. Bloc léger, bien sûr. Bloc d'acier léger. Hop là. Alors, est-ce que maintenant j'ai assez d'énergie hein, pour... Oui, ça raffine. Ok. Alors, si je veux faire cette espèce de truc là, j'ai dit c'est le 4. Alors, il me faut des plaques d'acier. Alors là, on va juste fabriquer les grands tubes d'acier. Ensuite, il me faut donc s'embêter. C'est là que j'ai plus de trucs. Alors, donc on a dit, il nous faut 20 plaques d'acier. Ensuite, 40, je dis 50 de construction. Ensuite, 8 plaques d'intérieur, 28 d'acier. Ah, les petits tubes d'acier, c'est aussi en bas, d'accord. 10 ordinateurs et 12 moteurs. Hop, ça on va descendre tout ça en bas. On a dit là, il va me falloir 60 petits tubes d'acier. Okay. Ah, il manque des plaques d'acier encore. Bah, c'est pas tout ce que ça me disait là-haut. Là. Ah mince, ouais, d'accord. J'ai compris le délire.
Alors, il faut encore des plaques d'intérieur. Alors, il faut 10 ordinateurs, 30 moteurs. Ok. Alors, il me faut 4 plaques d'intérieur. Petit tube d'acier, 6 moteurs. Alors, commencer. On va s'occuper de ça. Alors, le but c'est de miner. Largeur de zone. Peut-être un peu grand, ça ressort pas ici les gens. Oh, bah, c'est pas bien. Allez, hop. Hop, faut que j'aille là-haut pour reprendre de l'hydrogène. Ah, sérieux là. Bon, il faudrait quand même que j'arrive à aller chercher de la glace. Parce que de la glace, j'en aurais assez vite besoin en fait. Hein. Je pense. Alors, il faut quoi? Une plaque d'intérieur, 8 moteurs. Plaque d'intérieur, 8 moteurs. 24 poutres.
Et vous voyez que ça raffine quand même assez vite. C'est ça qui est intéressant avec ces drills là. Elle raffine, elle. Oh, j'ai pas les 24. Ah bah je les ai pas pris. Bah, ça se prend pas ce que j'ai besoin. Bon. Là. Pas beau ça, gâte-donc. Gâte-donc ça, mon gars. Ça va raffiner tout ça et ça partira après dans l'assembleur. Ouais. On n'est pas à l'abri là-dedans. Oh, ces ennemis de fou là. Oh, je m'y attendais pas à ça. Alors lui il me tue beaucoup plus vite que moi je le tue, hein, alors qu'on a la même meuleuse. Là faut qu'on m'explique. Hein. Là, qu'est-ce que je fasse moi là, sérieux? Je peux rien faire. Hein. Fait défoncer. Ouais, mais moi je lui fais quasiment pas mal, comment il fait lui? Quasiment rien le mec, c'est bien. Oh, c'est affreux. Je suis passé 3 jours à lui niquer sa race. Mais lui il me défonce à une vitesse. C'est impossible, sérieux. Qu'est-ce que tu veux faire?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, là? Et tu me défonces en 2 secondes et demie. Oh, mais il y a partout des ennemis, en fait. Ah, mais non, mais là, mais t'es sérieux, là? Alors, le mode avec ces petits machins, là, c'est peut-être pas la bonne idée au départ. Alors, les ennemis sur la planète, on va les virer parce qu'ils sont casse-couilles, en fait, ça. Parce que là, je les rajouterai quand j'aurai un peu mieux avancé, parce que sinon, en fait, on va jamais s'en sortir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que là, sinon, laisse tomber. Ah, enfin, je retrouve le bon mode parmi tous ceux que j'ai. Tac, tac, tac. Bien, enable. Est-ce que ce serait pas ça? Si. C'est ça. Mais il me semble qu'il y en a un autre. Celui-là. Ok. Voilà. Temporairement, on va l'enlever, histoire de quand même pouvoir commencer à faire quelque chose, parce que sinon, il va déjà falloir 50 ans pour faire le premier épisode. Donc, ce qui n'est pas forcément cool. Si on prend déjà 50 ans pour faire un épisode, ça va être compliqué. Hein. Enfin, un épisode, un live. Parce que, même si je vais les mettre en épisode sur YouTube, ça restera des lives. Hein. C'est des rediffs de live, je vais pas faire de montage ni rien. Ça va être vraiment du pur, pur live. Là, on se retape le temps de chargement, hein, bien sûr. Bon, on va reconstruire un peu la base qu'on avait commencé à construire. Le problème, c'est que maintenant, tout est en bas. Du coup, ce n'est plus alimenté. Que du bonheur, quoi. Que du bonheur, c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore ce jeu. Bon, en même temps, si les mecs, ils popent par 50, encore quand il y en a un, tu peux gérer, mais quand ils arrivent par 50... On les remettra plus tard quand j'aurai un peu de défense, j'aurai ouais, du quoi riposter. Bon, vous inquiétez pas, il reste pas mal d'ennemis, hein, notamment les bombardiers planétaires. Ceux-là, ils font très mal quand ils attaquent. Eh ben, c'est pas rapide, hein. Alors, passer. Allez. Il est lent ce jeu quand il charge. Les temps de chargement de ce jeu sont hallucinants. C'est vraiment satisfactory, on peut faire des bases immenses dessus et il n'y a pas de soucis, mais pas 3 heures à charger. Voilà, c'est les modes hein, qui font que ça charge longtemps. Mais... C'est compliqué quand même après. Ok. Bon. D'accord, j'ai plus de plaque d'acier.
Ah, c'est problématique. J'ai perdu la capacité. Ça se Ok. Ok. Éolienne. Allez, c'est reparti. Ah ouais, donc là, ça va pas le faire. Je modifie ça, du coup. On va faire aller si loin. Enfin, si je peux le faire aller si loin, mais faut le baisser un peu, par contre. N'a pas assez de pouvoir. Comment ça? Ah bah oui. Ah bah oui, je sais pas. C'est pas grave. On va quand même baisser aussi ça là. Une zone de disparaître. Ah mais arrête de pourrir bien. En profondeur, on peut laisser loin en fait. Alors oui, voilà ce qui manque, c'est ça. Est-ce que je vais avoir... Non, je sais pas ce qu'il faut, il faut pas d'intérieur. Alors le problème des plaques d'intérieur, c'est que... Parachute, peut-être. Ok. Donc là, hop, bien.
Yeah. Oh, le jeu il est déjà en PLS. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah, sympa. De texture. Il va falloir que je refasse des éoliennes, de toute façon, j'en aurais pas assez. Déjà pas assez, donc il faut que je refasse des éoliennes. Bon, ça en même temps, je m'en doutais un peu. Hein. Ok, donc là on est bon. Maintenant il me faudrait quelques plaques d'acier. Qu'est-ce qu'il me faut pour me faire une autre éolienne? La plaque d'intérieur, là il me faut des moteurs à des poutres. Voilà.
Et alors là, du coup, on va continuer à construire nos blocs histoire de les rendre plus résistants. Parce que sinon, le premier coup de canon, il n'y a plus de blocs. Ok. Ça, c'est bon. Hop, tac. On va reprévoir pour faire deux autres éoliennes à côté. Ça c'est bon. Hop. Ok. Par contre, je ne change jamais de couleur comme ça. Comme ça va être possible. Ouais, mais c'est quoi qui me tire dessus? Mais où me tire dessus? What? Ouais, mais je les ai enlevés, ces machins. Je les ai enlevés, ces machins, il y en a encore. Je peux encore avoir un autre mode qui rajoute des ennemis comme ça? Sérieux. J'en ai combien des modes qui mettent ces trucs-là? Bon. Alors là, je pige pas trop. Bah pourquoi ça me les a remis les trucs? Ah. Bah. Alors là, je comprends pas trop. Planète, les planètes.
C'est pas normal. Peterstone. Voilà, je pige pas. Là, je comprends pas trop. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va repartir comme ça. Mais je comprends pas pourquoi ça me l'avait enlevé. Pourquoi ça me les avait laissés alors que les modes étaient enlevés. C'est pas très compréhensible. Bon, c'est pas grave, hein. On arrivera bien à trouver. Allez, oh, ces temps de chargement énormes. En espérant qu'ils me remettent pour les siens cette fois, parce que là, sinon, je sais pas quoi faire. Hein. Sinon, je sais plus quoi faire. Ça marche, on va continuer à faire 2-3 éoliennes et puis après je pense qu'on arrêtera là pour ce live parce que demain je me lève, il y a les enfants qui vont à l'école, les vacances sont finies et demain soir à 21h30 on fera la carrière avec Alfa Romeo sur F1 2021. Allez. Ok.
Par contre, on va les voir de l'extérieur. Hop, ça c'est fait. Alors, tac, tac, tac. Là, on va rajouter. Ça serait mieux. Ok. Alors. Tac, tac, tac. Et hop, ça c'est bon. Ok. Non, parce que ça, c'est pas encore prêt pour affronter ce machin. Alors, tac. Ça lag encore, ça me dépend de ça. C'est quoi qui fait la game, c'est comme ça alors.
rien d'autre dans le coin. Donc, la suite. Ok. Alors maintenant,
Bien. On a rétabli ça. Allez, bon, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vais continuer à l'avancer un peu de mon côté en off. Et puis, ma foi, ben, on se retrouvera pour le prochain live. Vous voyez, les nanites ont quasiment fini. Les nanodrilles ont quasiment fini de miner cette zone, ce qui nous fait déjà assez de place pour faire une base, hein, faut être honnête. Faire un début de base. Ah oui, par contre, j'ai plus accès à ma raffinerie. Ça, c'est moins bien. Je te casse, mais désolé. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'avoir accès à ma raffinerie. Ok, ben écoutez, en largeur, on n'est pas très large, mais on est suffisamment long pour faire ce qu'on veut. Bien, sur ce, j'espère que ce petit live sur Space Engineer vous a plu. Et pour ceux qui regarderont la rediff, et bien que cette rediff vous a plu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un live qui sera demain sur F1 2021. De toute façon, c'est simple, hein, si vous voulez me voir en live, c'est facile, je live à peu près tous les soirs. Donc, sauf vraiment exception, en principe, je suis en live tous les soirs. Allez, à plus!